Les tireuses du Collège Mont-Notre-Dame se préparent pour leur prochaine compétition. Elles participent vendredi à la Coupe Canada, qui est disputée à l'Université de Sherbrooke. J'espère aller chercher une douzaine de médailles. Sinon, c'est pas grave, on s'amuse. L'an passé, on a récolté 41 ou 42 médailles de niveau provincial et de niveau national. Donc, on a quand même des titres. On a eu 6 titres l'an passé, là, provinciaux et nationaux. Le club d'escrime du Collège Mont-Notre-Dame a été fondé il y a seulement 6 ans, mais il commence déjà à se faire un nom. La première année, elles étaient seulement 2. Maintenant, c'est près de 50 jeunes athlètes qui apprennent ici le maniement de l'épée. On est reconnu pour étant le club qui a le plus de filles sur le circuit canadien et provinciaux compétitif. Bien, c'est sûr que là, on se forme comme une réputation, c'est sûr. Avec tous les podiums qu'on a fait l'an passé puis à venir, ben, c'est sûr qu'on va, on va se faire parler de nous, je pense. Avant, j'ai jamais frappé quelqu'un, mais j'ai commencé l'escrime puis j'ai réalisé que j'étais quand même une fille violente, on va dire ça de même. Je vais juste tout me défouler. Donc là, tout sort, on commence à crier en piste. Et le club continue à se développer en ajoutant une nouvelle discipline. Cette année, on a ajouté le sabre. Donc, ce qu'on a fait à l'épée, on est après le refaire au sabre. Donc, on repart un petit groupe de secondaire 1. Dans 4-5 ans, on va avoir probablement 25 filles au sabre puis 25 filles à l'épée. Ça prend plus d'entraîneurs, donc on est à la recherche là, depuis 2 ans là, de trouver des entraîneurs qui vont pouvoir venir. On espère avoir une solution en 2014 là, avec un entraîneur de Québec. Pour cette année, comme je suis une deuxième année cadette et que c'est ma dernière année, j'aimerais ça essayer de me qualifier pour les championnats du monde. Donc, tenter de faire l'équipe nationale, ça serait vraiment trippant pour aller faire plusieurs championnats du monde. Donc, c'est vraiment un développement à long terme. L'an passé, notre première cohorte, il y en avait 4 qui ont continué après le secondaire 5. Donc, ça, c'est excellent. Notre visée, c'est les Olympiques. On s'est donné 15 ans pour celles qui viennent de rentrer cette année. Il reste environ 6 ans pour celles qui viennent de sortir du secondaire. Donc, c'est des projets de 10 à 15 ans. Oui, déjà, il y en a qui ont fait les équipes canadiennes. Je ne verrais pas pourquoi, si elles développent, elles ne puissent pas faire les Olympiques. William Levasseur pour Estrie Plus à Sherbrooke.